C'est sympa d'être là. Alors, on ne s'est pas vu au préalable pour discuter comment on allait travailler ensemble. Mais j'ai proposé à Chantal d'abord de la présenter et en même temps peut-être d'indiquer dans quelle optique est situé son livre. Et ensuite, donc, Chantal fera un exposé un tout petit peu du contenu du livre. Ensuite, je discuterai assez succinctement pour vous permettre de parler et de questionner dans la mesure où vous en sentirez le besoin et la nécessité. Bien. Alors, Chantal c'est d'abord une amie. Hein. C'est une amie, on travaille ensemble au comité de rédaction de la revue Empan, qui est édité par les éditions Érès et qui a comme support l'association l'Arcea. Et donc on se connaît depuis de nombreuses années à travers cette revue, le comité de rédaction. Alors Chantal, à la fois, en réfléchissant, je me disais qu'elle était à la fois, elle avait un souci, un travail de formation, hein, de former des psychologues, hein, prof de fac, donc. Elle est en même temps chercheur, ce qui n'est pas forcément évident quand on est prof de fac, parce que des fois, on arrive et on reste prof de fac, hein, cool, comme ça. Hein. Donc chercheur, et en même temps, elle a une troisième caractéristique, c'est qu'elle est engagée. Hein, c'est quelqu'un de profondément engagé, et c'est peut-être en ça, même si nous n'avons pas forcément les mêmes référents théoriques et les mêmes façons de penser, en ça que... on est proche dans la mesure où elle a un engagement très important, dont elle parlera peut-être tout à l'heure. Hein, engagement aussi au niveau de... alors en regardant les prises de position qu'elle a faites au cours de ces dernières années, on voit que c'est centré autour de l'enfant et de la famille. Et que c'est d'une profonde modernité dans la mesure où elle a abordé la question des violences conjugales, la question de l'illettrisme, la question de la résidence alternée, qui lui a coûté pas mal de déboires, hein, avec des collègues psychiatres qui n'étaient absolument pas d'accord avec elle. Ensuite, mariage pour tous, hein, engagé aussi. La théorie du genre, engagée aussi. Hein. Donc vous voyez que les sujets qui font polémique ne lui font pas peur. Et donc, elle a cet engagement extrêmement profond, qui est, je dirais, un engagement de politique. Hein. Alors, pas de politique politicienne, comme on le voit ces temps-ci, mais de politique du social, de politique de la citoyenneté, hein, avec toujours à la clé un souci d'aborder les questions de prévention, hein, puisqu'on sait malheureusement qu'en France, hein, la prévention, on n'a pas beaucoup d'argent pour la prévention, et que la prévention est massacrée, hein, au profit d'autres bizarreries et d'autres intérêts politico-sociaux. Voilà. Alors, le livre qu'elle vient de sortir, alors je vous le conseille, il est super. Il est super, il est à la portée de tout le monde. Et en même temps, c'est possible pour des parents, pour des étudiants et des professionnels. Moi, j'ai beaucoup appris. C'est un livre très sérieux parce qu'il est très documenté. Il y a une bibliographie qui est extrêmement importante. Mais je crois que ce livre, donc 2016, est la suite d'un livre qu'elle avait écrit en 2005, qui est apparu chez Érès, qui était « Les conditions de vie défavorisées influent-elles sur le développement des jeunes enfants ?» Et ça correspondait aussi avec un numéro de la revue Empan, qui était intitulé, numéro 60, qui était intitulé « Précarité ». Donc c'est une reprise. Alors c'est intéressant de lire les deux livres, parce que entre le premier et le second, il y a des avancées très importantes, et des avancées surtout au niveau de la pensée de Chantal. Chantal a centré, me semble-t-il, mais elle me dira si elle est d'accord ou pas, hein, elle a centré sa pensée autour des questions d'environnement. D'environnement dans un environnement très large, hein, d'écologie, hein, de l'écologie à la limite psychique. Hein, et vous savez, écologie vient de science de la maison. Il y a quelque chose là de profondément écologique dans ce qu'elle nous propose, avec une question qui revient constamment, qui est la question de l'environnement. Et elle dit que le social n'est pas ce qui vient au sujet, mais ce dans quoi et par quoi il se structure, qui est une façon de voir les choses tout à fait nouvelle. Alors, elle a le traitement de cette question, elle a deux pieds sur le plan théorique. Elle a d'abord un pied, je dirais, classique et ancien, c'est Wallon. Hein, Wallon. Alors, il y a Wallon dans la fac du Mirail, il y a Wallon, il y a Malrieu, hein, voilà. Hein, donc, tu es un peu fille de Malrieu. Voilà, j'ai compris. Alors, Wallon, très rapidement, vous savez, 1925, c'est l'enfant turbulent. Et en même temps, cet homme, qui est mort en 62, a eu une vie très riche. Et alors, c'est assez bizarre parce qu'il a eu un tout petit peu une vie qui ressemble à celle de Chantal, avec des engagements politiques, des engagements sociaux, très très importants, et une idée fixe qui était le développement de l'enfant. Hein, donc, tout un courant développemental de l'enfant. Alors ça, c'est la première face, le premier pied sur lequel s'appuie Chantal. Alors le deuxième est, me semble-t-il, plus récent et plus abouti par rapport au livre de 2005, qui est le rapport au Québec. Alors je ne sais pas d'où ça t'est venu, d'aller voir au Québec. J'aime ce pays. Voilà, tu aimes ce pays. Et alors elle a développé quelque chose dont elle va nous parler, qui est la question de la capacité. La capacité, alors c'est intéressant parce que c'est le pouvoir de s'approprier les différentes offres étatiques et une capacité plus ou moins importante de faire des choix, qui n'est pas capable ou pas capable. C'est dans une autre dimension. Alors c'est intéressant parce que ça reflète tout le dynamisme de la pensée de Chantal, pour qui finalement tous les termes, alors il y a des termes un peu, c'est un peu confus si vous voulez, entre les termes qu'il peut y avoir entre vulnérabilité, précarité, pauvreté, des choses de ce genre, mais l'intérêt qu'il y a à la lecture, c'est que ce sont des termes qui ne sont pas figés et qui sont dynamiques et qu'elle décline de façon tout à fait intéressante, ce qui nous permet d'être toujours dans une question où on est loin de tout aspect pathologique, hein, on est dans le développement. Hein, dans le développement. Alors voilà, moi, en gros, ce que je voulais dire hein, pour te présenter. J'aurais une petite question personnelle, mais d'où c'est que ça te vient tout ça, cette fixation sur l'enfant pauvre, sur la précarité, sur... Ben, je joue au psy, là. Je te réponds tout de suite. Ça, ouais, ça vient du Québec. Ça vient du Québec. Ça vient tout simplement du Québec où en 2004, j'étais avec ma collègue Annie Devault et on travaillait toutes les deux sur les questions de paternité. Et le Québec étant très en avance par rapport à nous, ils avaient développé une recherche sur les pères en situation de précarité et de pauvreté. Et à partir de là, nous avons déposé un appel d'offres et on a été retenu à la Caisse nationale de l'éducation familiale et au groupe de santé de recherche midi-pyrénées. Et nous avons monté une recherche collective sur les pères, les mères et les enfants issus de familles en situation de pauvreté en France. Alors ce qui est intéressant, c'est que dans ce livre, il y a un constant va-et-vient entre les travaux français, il y en a peu, hein, et les travaux québécois. Hein. Et il me semble que là, ça nous donne de temps en temps quelque chose d'un peu vertigineux, une inquiétante étrangeté de voir à la fois le retard qu'on a en France au niveau de la pensée par rapport à ces questions-là. Hein. Et dans cette dynamique que tu nous proposes, c'est intéressant parce qu'en même temps, tu n'es pas québécoise totalement, hein, puisque tu as Papa Wallon, hein, qui est là et qui te retient dans une pensée occidentale, hein, puisque Wallon est très méconnu hors de France. Hein, parce que ce qu'on connaît, nous, c'est Piaget, finalement, mais pas Wallon. Voilà, je te laisse, je t'ai présenté, je te laisse la parole maintenant à toi. Un grand merci Rémi pour cette introduction, tout ce que tu as dit me touche beaucoup. Merci beaucoup aux éditions Érès d'avoir accepté la publication et la réactualisation donc, de l'ouvrage de, de 2004. Merci beaucoup à la médiathèque de nous accueillir aujourd'hui. C'est un grand bonheur pour moi d'être là aujourd'hui, tout en me disant tout à l'heure qu'étant donné le ciel bleu qu'il y avait dans la rue, je ne suis pas sûre que j'arrive à garder cette chaleur que vous avez pu avoir dans la journée, parce que mon propos effectivement n'est pas extrêmement arc-en-ciel. Voilà. Alors effectivement, je ne vais pas tenir un discours misérabiliste, je vais tenir un discours cru. Parce qu'il me semble que la situation des enfants en situation de pauvreté n'est absolument pas abordée dans notre pays. Je reparlerai ensuite de politique. Je peux simplement dire déjà, évidemment, dernier numéro de Sciences humaines, les nouveaux visages de la précarité. Je vois un enfant avec son doudou dans les mains et j'espérais trouver... quelque chose qui nous parle des enfants de la précarité. Il n'y a rien. On entend parler de choses très importantes, d'adultes en situation de précarité, de jeunes qui sont en difficulté pour trouver du travail, mais il n'y a rien qui concerne la situation des enfants en situation de pauvreté. Il n'y a rien non plus dans les programmes politiques de tous les candidats actuels. Donc effectivement, ma position, elle est en termes de psychologie de l'enfant, c'est certain, mais en même temps, c'est effectivement un discours qui va être axé sur des raisons politiques, économiques, culturelles. Et donc, bon, effectivement, Rémi a parlé d'un engagement. Je suis enseignante-chercheur, mais je suis effectivement une citoyenne quand je viens parler des enfants de la précarité. Alors, les terminologies, elles sont souvent très... diffuse, très confuse, que ce soit en sociologie, que ce soit en psychologie. On parle de pauvreté, on parle de précarité, on parle de vulnérabilité. Cet après-midi, avec les étudiants de master de pro, on a parlé d'adversité, on parle d'exclusion, etc. Alors c'est vrai que les vocables, ils ont beaucoup bougé ces 30 dernières années. Le terme de vulnérabilité qui était beaucoup utilisé dans les années 80 en France a été complètement abandonné dans la littérature. Par contre, on le voit revenir dans les travaux actuels. On pourra le préciser ensuite si vous le souhaitez. Alors je vais commencer en fait par des choses très crues, des données chiffrées. Mon fils m'a conseillé de commencer comme ça. Il m'a dit la seule façon d'interpeller les personnes qui t'écouteront, c'est de leur donner des données chiffrées. Alors je vais commencer. Un enfant sur 5 en France vit dans des situations de pauvreté. Si on regarde au niveau du territoire, il y a un enfant sur 2 qui vit en situation de pauvreté dans la région PACA. Nous avions, en 2004, les premières données qui avaient été diffusées par Le Monde en février 2004 et qui nous annonçaient les premiers chiffres de la honte qui avaient été donnés dans ce média. Et on s'aperçoit qu'en 10 ans, ces chiffres n'ont absolument pas reculé, voire... ils ont augmenté malgré toutes les propositions étatiques qui ont pu être faites pour lutter contre l'exclusion et la pauvreté. Et bien sûr, étant donné la conjoncture économique actuelle, le pari est bien loin d'être gagné, donc je crois qu'il faut continuer à être présent sur le terrain. Alors évidemment, ces enfants, ce sont des enfants des grandes villes, des cités, des zones urbaines sensibles, comme on dit. Et la population d'enfants pauvres dans ces zones urbaines sensibles serait 3 fois plus élevée que dans la population générale. Et puis aussi, une donnée qu'il ne faut pas oublier, c'est que les enfants pauvres, on les trouve beaucoup en zone rurale. Et les zones rurales sont extrêmement délaissées, que ce soit par les politiques, par les chercheurs ou par les économistes, où on s'aperçoit que des enfants pauvres vivent dans ces zones rurales. Alors elles atteignent qui ? Elles atteignent ces situations de pauvreté les familles monoparentales. Quasiment la moitié, 46% des femmes vivent en situation de pauvreté dans notre pays. C'est une donnée qui existait déjà il y a 10 ans, mais qui est en augmentation très forte. Et évidemment, des familles monoparentales féminines, maternelles, que l'on retrouve dans ces situations-là. On trouve aussi de plus en plus de... foyers avec des familles nombreuses, au-delà de 3 enfants. Alors je vais m'en arrêter là pour le moment, pour ce qui donne qui concerne les données chiffrées, mais je vous en donnerai d'autres en fin d'intervention. Donc moi, mon intervention, elle va être de préciser, de ramasser rapidement, hein, de synthétiser le travail qui a pu être fait donc avec mes collègues Olivia Troupel et avec Annie Devault, donc, qui est québécoise, pour réaliser cet ouvrage. Et c'est vrai que je m'appuie sur une approche multidimensionnelle. Alors multidimensionnelle, ce n'est pas un terme wallonien. Wallon, c'était vraiment l'articulation du social et du sujet. Je suis effectivement dans l'affiliation de Philippe Malrieu, et d'ailleurs je viens de lui rendre hommage dans un article dans La Pensée qui va bientôt sortir. Donc c'est vrai que je suis dans cette filiation parce que je crois qu'ils ont été les premiers à articuler ce qui relevait de la construction du sujet dans son articulation avec le social. Alors il y a une petite différence entre moi et Wallon. Il était communiste, engagé, et c'est vrai qu'à cette époque-là, c'était quelque chose d'extrêmement important pour lui, non seulement d'être au Parti communiste, mais il était surtout dans la résistance. Ça aussi, c'est un élément avec lequel je suis profondément en accord. Alors cette approche multidimensionnelle, c'est une approche plutôt outre-atlantique, qui nous vient de Bronfenbrenner, et qu'il me semblait intéressante à développer parce qu'elle nous permet de clarifier aussi et d'aller un petit peu au-delà du modèle que nous présentaient Wallon et Malrieu. Et ce modèle multidimensionnel, c'est une façon de rendre compte qu'un enfant ne se développe pas seul. Winnicott le disait déjà, un enfant a besoin de sa mère en train de le regarder. Là, ça va encore au-delà. Un enfant, il a besoin non seulement de sa mère qui le regarde pour exister, mais il a aussi besoin d'instances, d'institutions et d'un système politique et citoyen qui le porte. Et c'est ce que nous dit le modèle de Bronfenbrenner, qui articule différentes sphères, comme il les appelle, des systèmes, avec l'ontosystème qui est en fait le sujet lui-même, ce sujet en devenir, le microsystème, c'est-à-dire toutes les interactions qu'un jeune enfant peut avoir avec sa famille. Puis ensuite, on a le mésosystème qui est un petit peu plus à distance, dans lequel l'enfant se situe, mais un petit peu distancié, comme par exemple l'institution scolaire, la CAF, des structures avec lesquelles les parents sont en relation. Et puis ensuite, on a le macrosystème. Le macrosystème, c'est le système politique, c'est le système économique qui est porteur de normes, de valeurs, etc. Donc c'est un modèle qui nous permet de mieux comprendre comment un sujet, un bébé, un enfant se développe en contexte. Et c'est vrai que ce terme est important pour moi parce que ce contexte, c'est l'environnement. L'environnement, c'est pas simplement l'environnement de l'air, ce n'est pas simplement la nutrition, mais aussi c'est l'environnement humain dans lequel l'enfant baigne depuis sa naissance. Alors après avoir un peu posé la façon dont je me situe au niveau théorique, je vais reprendre en fait les propos d'un jeune qui avait été auditionné par Dominique Versini, qui était à l'époque défenseur des droits de l'enfant et qui avait interviewé un jeune qui s'appelle Alan Transam et qui rend bien compte de toutes ces sphères qui sont imbriquées les unes aux autres. Il nous dit « La précarité, c'est l'instabilité dans toutes les choses de la vie quotidienne, les difficultés matérielles, le manque de ressources et le fait de ne pas avoir le strict minimum pour vivre. Le strict minimum étant la nourriture, le logement, l'emploi, les vêtements, les sorties, les amis, la famille et les gens sur lesquels on peut compter, communiquer, s'exprimer et ne pas être seul. » Il rappelle aussi la ségrégation géographique. On peut se faire rejeter à cause de l'endroit où on habite. Nous en avons assez de l'image donnée par les médias des quartiers dits à risque ou défavorisés. Les jeunes en appellent à une prise de conscience générale des conséquences de la précarité par des journées de sensibilisation, des forums, des rencontres, comme celle-ci par exemple. Cela veut dire qu'être humain, c'est être à sa place, c'est être à une place bien déterminée pour soi et pour autrui. Alors la période de l'enfance, on le sait, c'est une période qui est une période sensible, une période de vulnérabilité. Ça ne veut absolument pas dire que tout se joue entre 0 et 6 ans, comme nous le disait ce Serge Dobson à l'époque. Ça veut dire qu'il y a des périodes critiques, des périodes de développement importantes au niveau affectif, au niveau cognitif, au niveau maturationnel, au niveau des relations que les jeunes enfants peuvent avoir avec leur famille, avec les membres de la famille, mais aussi avec des membres d'autres institutions, comme dans les écoles ou encore dans les crèches. Et donc je m'attacherai à démontrer comment les enfants sont bien loin d'une égalité désirée et bien loin d'être égaux entre eux dans un pays comme le nôtre, dit de liberté et d'égalité. Donc c'est effectivement dans un engagement citoyen que je situe mon propos, mais je voudrais, avant de vous relater un peu brièvement les recherches, dire peut-être quelques points en préambule. Premièrement, les résultats de recherche que je vais vous présenter nous viennent en particulier des pays comme les États-Unis, l'Australie, le Québec et le Royaume-Uni, et que bien évidemment nous avons des différences culturelles importantes, ne serait-ce que parce que nous avons des crèches qu'ils n'en ont pas, ne serait-ce parce que nous avons l'école maternelle et que ce n'est pas une institution qui existe, une institution publique qui existe dans ces pays-là, parce que nous avons la CMU et parce que nous avons certaines positions au niveau de la santé différentes. Donc ces résultats-là, il faut aussi, encore une fois, les contextualiser dans notre pays, donc en France. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que quand on est un chercheur qui travaille sur des enfants en difficulté, comme des enfants qui sont donc dans des situations de pauvreté ou des enfants qui sont exposés aux violences conjugales, on est toujours à la limite, à la lisière de quelque chose de très délicat. C'est que on attrape ces symptômes que l'on vous délivre comme ça et qu'on en fasse des symptômes de déviance. En aucun cas, ce que je vais pouvoir relater s'inscrit dans cette mouvance-là, bien évidemment. À l'époque, en 2004, quand on avait sorti le livre, c'était le début des lois contre la délinquance qui avaient été mises en place par Nicolas Sarkozy. Ça a été le brûlot de l'INSERM qui nous montrait que des troubles des enfants entre 0 et 3 ans devaient être repérés le plus vite possible parce qu'on ne sait jamais, ça pouvait faire des déviances pendant la période d'adolescence. Bien évidemment, je ne m'inscris pas dans cette visée-là. Je dis simplement, il y a des problématiques particulière, effectivement, chez des enfants qui sont en situation de pauvreté et qu'il ne s'agit pas de faire l'autruche. Voilà, il suffit de les développer, de les analyser et de mieux comprendre pour accompagner certainement un certain nombre de souffrances qu'ils ont dans leur sac à dos, comme nous disait Pénac en parlant de ces enfants en difficulté, en nous disant que dans son sac à dos, ils portaient aussi leur famille. Et les enfants en situation de pauvreté, c'est un petit peu ça. Ils ont aussi leur sac à dos et leur famille avec eux. Et un autre élément que je voulais souligner, donc la question du contexte, faire attention aux terminologies que l'on peut employer, qui peuvent être récupérées par certains politiques. Et puis, c'est vraiment dans une action de prévention que j'inscris ce propos que je vais développer maintenant. Donc en fait, quand on regarde la revue de la littérature, on s'aperçoit que toutes les sphères du développement sont atteintes chez ces enfants en situation de pauvreté. Alors aussi, une petite parenthèse, je fais très attention à essayer de parler d'enfants en situation de pauvreté. Il ne s'agit en aucun cas d'enfants pauvres, mais parfois, pour aller plus vite, je vais parler d'enfants précaires ou d'enfants pauvres, mais dans tous les cas, ça veut bien dire en situation d'eux. Et cette précision est importante parce que ça veut dire que la précarité, ça n'est pas un état, c'est un processus, c'est une précarisation. Et ça veut dire que dans un processus, on peut y rentrer, mais aussi on peut en sortir. Donc quand on parle de développement socio-affectif chez les jeunes enfants, on parle des relations d'attachement. Alors pour aller très vite, c'est une théorie que nous a amenée Bowlby, qui était un grand psychiatre, psychanalyste, et qui a développé cette théorie de l'attachement qui amène aussi beaucoup de controverses et de bouleversements, mais qui est, me semble-t-il, une théorie vivante dans la mesure où elle instruit beaucoup de débats. Et à partir d'une certaine méthodologie, on peut trouver si des enfants sont dits sécurisés ou sont dits insécurisés. Et quand on regarde la revue de la littérature qui est faite à ce niveau-là, on s'aperçoit de façon drastique que les résultats convergent. Quand je parle de résultats de recherche, je parle d'une centaine de recherches. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie, mettent des financements pour que l'on puisse regarder le développement des enfants pauvres. Et on s'aperçoit qu'il y a beaucoup moins d'enfants sécurisés dans ces familles que dans, et beaucoup plus d'enfants désorganisés, désorientés que dans la population générale. En gros, dans la population générale, tout venante, on a 2 tiers d'enfants sécures et 1 tiers d'enfants insécurisés. Et cette proportion peut se retrouver inversée dans des situations de pauvreté. Je rajouterai aussi une donne qui est importante, c'est que la précarité ou la pauvreté, elle a une incidence si elle est durable et non pas si elle est transitoire. Autrement dit, quand on accompagne ces enfants et qu'on s'aperçoit qu'ils sont dans des situations douloureuses, on peut effectivement faire en sorte que leur trajectoire s'améliore, si tant est que la situation familiale, la situation culturelle et économique s'améliore aussi. Et on sait que les résultats sont d'autant plus délétères que la pauvreté est permanente et qu'elle a commencé tôt dans la vie de l'enfant. Les conduites sociales, ça a fait beaucoup coller d'encre parce que c'est un petit peu par rapport à ces conduites sociales qu'il y a eu les lois contre la prévention de la délinquance. On s'est aperçu effectivement que ces conduites sociales pouvaient être un petit peu abîmées. J'emploie ce terme parce que je pense tout d'un coup à un terme qu'emploie Castel. Ce sont des trajectoires tremblées. Il utilise ce terme-là et c'est un terme que je fais mien parce qu'il nous montre à quel point ce sont des trajectoires qui sont chargées d'incertitudes, qui sont chargées de fragilité et ce sont des trajectoires tremblées. Donc effectivement, ce sont des enfants qui présentent des difficultés au niveau de leur conduite extériorisée, des difficultés au niveau de leur conduite intériorisée et on s'aperçoit que ce sont par exemple des enfants qui très jeunes peuvent présenter des syndromes de dépression dès l'âge de 3 ans. En tout cas, c'est ce que nous montrent les recherches. Et ces difficultés, elles sont aussi d'ordre émotionnel. Et ça, c'est un champ très récent, en particulier dans les pays anglo-saxons, là, qui a le vent en poupe. Et je signale d'ailleurs à ce propos que Wallon a été le premier à parler du registre émotionnel et de l'importance du registre émotionnel, qu'il nous a bien montré à quel point c'était... le point d'orgue, le point d'ancrage du psychisme. Et c'est un travail qui est en train de revenir à l'ordre du jour, la question des émotions. On en entend parler, que ce soit chez les enfants, chez les adultes, dans les pratiques professionnelles. C'est vraiment un registre extrêmement important. Et on s'aperçoit que ces émotions, elles entraînent, les difficultés émotionnelles entraînent des accès de colère, une faible estime de soi chez ces enfants, des humeurs changeantes, des accès de colère, etc. Et j'essaierai de montrer comment les différentes sphères, elles s'articulent entre elles et qu'il ne faut pas prendre ce symptôme de façon isolée, des enfants qui ont une humeur changeante, un accès de colère, mais comment il faut l'articuler ensuite avec les conditions de vie dans lesquelles ils vivent. Alors il se trouve qu'effectivement, les relations entre pairs sont aussi affectées, entre eux, on a beaucoup plus de conflits, on a beaucoup plus de difficultés d'adaptation sociale parmi leurs groupes de pairs, mais aussi parce que ce sont des enfants qui sont davantage rejetés. Vous connaissez tous les effets d'homogamie. On le retrouve aussi dans les crèches, on le retrouve aussi à l'école. Et des enfants qui sont en difficulté peuvent être rejetés par leurs compagnons. Alors au plan cognitif, on s'aperçoit aussi, alors les recherches qui sont faites avec des enfants jeunes, on utilise des tests, on utilise des tests d'aptitude verbale, des tests de résolution de problèmes, des choses très simples, hein, par exemple des puzzles à faire. On regarde des tests de réussite en lecture et en calcul et on s'aperçoit sur l'ensemble de ces paramètres que les résultats indiquent un niveau beaucoup plus bas de fonctionnement cognitif, notamment, et ça c'est un élément qui me semble important, sur les aptitudes verbales, que l'on retrouve ensuite sur la question des apprentissages scolaires. Donc cette question des aptitudes verbales, j'y reviendrai aussi. Donc encore une fois, ces éléments, on les retrouve si la pauvreté est persistante et on ne les retrouve dans une moindre mesure si la pauvreté ne touche les enfants que de façon transitoire. Ensuite, un élément qui me semble vraiment important et qui me tient particulièrement à cœur, c'est la question des inégalités sociales de santé, parce que c'est un domaine dans lequel la question des enfants reste complètement reléguée au second plan, pour voir si ce n'est au dernier plan, par notamment par les politiques. Alors c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de progrès. Il y a eu la CMU, c'est vrai qu'il y a eu la dynamique qui a été engagée sur ce processus-là. Il y a eu la mobilité du côté des professionnels sans conteste pour essayer d'améliorer le bien-être physique, psychologique et social de l'enfant. Mais les professionnels le savent bien, la santé physique et la santé psychique, elle est complètement reléguée au second plan par des familles. C'est une préoccupation mineure. Quand les familles vivent dans des situations précaires, elles doivent manger. Ça, c'est la première chose. Elles doivent se loger. Et effectivement, elles ont beaucoup de mal à rentrer elles-mêmes dans un processus de santé. Donc, quelque part, il faut aller les chercher. Et donc, de ce fait, les inégalités sociales, elles perdurent. Elles perdurent et de façon concomitante, elles perdurent parce que le problème du logement, qui était beaucoup moins aigu il y a une dizaine d'années et qui est de plus en plus aigu, va donner des troubles sanitaires importants, comme par exemple des symptomatologies ORL, qui est due à l'humidité des logements, aux moisissures, au chauffage insuffisant ou défectueux, le saturnisme, qui atteint quand même plus de 85 000 enfants. Le saturnisme, il est dû à cette peinture au plomb que l'on retrouve sur les peintures dans les logements insalubres, qui a un goût sucré et que leurs enfants vont lécher parce que ça a un goût de bonbon, et qui atteint le système nerveux et qui entraîne des troubles graves et irréversibles. On trouve aussi une obésité qui est précoce, qui est morbide, une obésité qui transforme le corps, et nous dit Moreau, une obésité qui empêche de se montrer, qui empêche de prendre des transports en commun, qui stigmatise encore plus parce que le regard de l'autre, c'est quelque chose qui est important et c'est quelque chose qui nous construit. J'y reviendrai tout à l'heure. Ce risque d'obésité, il est 3 à 4 fois plus important que dans la population générale, parce que ces populations ne peuvent pas acheter bio, elles ne peuvent pas acheter des légumes et des fruits, tels que le distillent les médias, et donc elles ont accès à des denrées moins onéreuses et beaucoup plus avec des graisses et des sucres. Cette obésité, c'est une obésité qui est humiliante, ce qui entraîne des situations de honte pour ces enfants, et c'est effectivement des situations qui sont extrêmement préjudiciables au développement de l'enfant. Un autre élément qui est important pour les professionnels, c'est que ce système de santé, comme les familles ont beaucoup de mal à y rentrer, à partir du moment où elles ont quitté un petit peu les PMI, c'est surtout les urgences pédiatriques qui sont prises d'assaut, parce qu'effectivement elles font soigner leurs enfants, mais elles vont le faire de façon épisodique quand il y a un événement brutal, et il va manquer en fait un parcours de soins difficile à instaurer, et une continuité dans l'action qui va être difficile à instaurer pour ces populations. Alors l'environnement familial, si je continue au niveau de mes sphères, bien évidemment il est touché. Pour aller très rapidement au niveau parental, on a des dépressions graves chez les mères, dans des situations de pauvreté et dans des milieux défavorisés, un niveau de souffrance très élevé, et donc des dépressions du postpartum plus élevées que dans la population générale. Alors il ne faut pas croire que les pères soient épargnés par ces situations. Alors on a des positions beaucoup plus contrastées pour ce qui concerne les pères, autant dans les recherches québécoises que dans la recherche que nous avions pu faire. On a des pères qui sont en souffrance, on a des pères qui sont anxieux, nous avons des pères qui sont dans une grande tristesse parce que la dévalorisation du rôle paternel, elle passe par le fait de donner de l'argent à la famille, et que ce rôle paternel est affecté et va affecter ensuite leur identité propre. Et puis on a des situations où, que l'on retrouve en particulier au Québec, parce qu'ils ont des structures de prévention et des structures de soutien qui sont importantes. On a des pères qui arrivent à se restaurer en s'occupant de leurs jeunes enfants, et pour pouvoir ensuite rebondir pour chercher un travail. Mais quoi qu'il en soit, ils sont aussi dans une fragilité identitaire qui entraîne bon, voilà, des conduites à risque, et qui entraînent des conduites de toxicomanie ou d'alcoolémie, et qui parfois fait que les conflits conjugaux, eh bien, ils vont se reporter sur les enfants, avec des conduites beaucoup plus punitives que dans des milieux moins à risque. Alors on parle du système parental, mais c'est sûr que quand des mamans vous disent on est tellement épuisé que quand on rentre, on ne supporte pas nos gosses, on peut évidemment comprendre que ces mères qui doivent interagir avec leurs enfants sont moins dans des engagements positifs. Elles ont moins la force d'être dans cette sensibilité parentale, dans ces réponses adaptées aux besoins de l'enfant. Elles sont beaucoup moins disponibles. Elles n'en peuvent plus d'être allées chercher du boulot à droite à gauche. Elles n'en peuvent plus d'être malmenées. Et elles-mêmes le disent. On n'en peut plus, on est épuisé et on ne les supporte pas, on ne supporte plus nos gosses. Et ce qui est important aussi à repérer, qu'on regarde, on retrouve dans la littérature et qui fait lien avec cette histoire d'aptitude verbale que l'on retrouve du côté des enfants, c'est que les études, elles nous montrent que les mères en situation favorisée, elles parlent ou répondent 2 fois plus ou plus à leurs enfants que dans des familles défavorisées. Alors, elles leur parlent plus, mais en plus, c'est d'autant plus doté de formes d'encouragement, à la fois verbaux, c'est-à-dire c'est chouette ce que tu as fait à l'école, qu'est-ce que tu as fait, raconte-moi, etc. Mais aussi des encouragements physiques, affectifs, les prendre sur les genoux, les caresser, leur sourire, etc. Et donc en fait ces interactions vont amener à des dysfonctionnements de la relation mère-enfant, vont entraîner par la suite des attachements insécures, et le fait que les mères parlent beaucoup moins à leurs enfants entraîne, par voie de conséquence, des difficultés au niveau des aptitudes verbales pour les enfants. Et puis au niveau conjugal, bien évidemment, ce couple, il est aussi atteint parce que la précarité, parce qu'aller chercher du boulot sans arrêt, parce que ramer pour trouver un peu d'argent pour donner à manger aux enfants, eh bien ça entraîne une disharmonie conjugale et ça entraîne souvent, par voie de conséquence, des violences conjugales. Sauf... Et ça, les travaux le montrent de façon assez remarquable. La place de la conjointe, la place de la mère, c'est une place tout à fait importante. C'est-à-dire que si les mères soutiennent les pères dans leur parcours de vie, dans leur parcours identitaire, on retrouve beaucoup moins de conflits conjugaux. Par contre, si les mères fragilisent encore plus les pères en lui disant si on est dans cette situation-là, c'est de ta faute parce que tu n'as pas de boulot, là on arrive à des situations qui peuvent se dégrader extrêmement rapidement. Et Marie-Rose Moreau va loin puisqu'elle nous dit les parents utilisent des stratégies de survie et ne peuvent pas, dans certains cas, mettre en place les conditions minimales pour exercer la protection, l'attention et le souci qu'ils doivent donner à leurs enfants. Alors si on va encore plus loin sur cette question de mal logement, qui est vraiment une donnée, qui était un indice il y a une dizaine d'années, c'était un indice de pauvreté, c'est devenu carrément, comment dire, la norme maintenant pour parler de précarité et de pauvreté, de ce mal logement. Donc vous les connaissez tous, hein, des surfaces habitables qui sont totalement insuffisantes, de l'insalubrité, un manque de confort, etc., qui donnent souvent des urgences sociales dramatiques. Mais en de ça et en plus de cet élément-là qui est bien sûr important, ce que je voulais repérer avec vous, c'est que ce mal logement, il entraîne d'autres types de contraintes au niveau psychique. Il entraîne une contraction de l'espace intime, que ce soit pour les parents ou pour les enfants. Or, nous savons que les enfants, ils ont besoin d'espace, un espace pour rêver, un espace pour imaginer, des espaces de solitude, et que cette contraction de cet espace vital va entraîner une contraction aussi de l'espace psychique, ne pouvant pas donner des éléments nécessaires à une construction psychique adéquate des enfants et des adolescents. Je ne parle pas de la promiscuité sexuelle, je ne parle pas de certains éléments aussi qui sont préjudiciables pour les enfants et les adolescents quand toute une famille habite dans une même pièce. Et puis aussi... un élément qui est aussi important, puis on est à la médiathèque, donc je crois que c'est important de le souligner. Je vais parler un petit peu fort, mais je parle d'apartheid. C'est-à-dire qu'on a d'un côté ces enfants favorisés qui sont à la limite suroccupés. On passe du cheval aux cours de musique, en passant par des cours de danse, etc. Et puis on a des enfants qui sont des enfants qui vivent en milieu défavorisé et qui sont sous-occupés. Alors ils sont sous-occupés pour plusieurs raisons. Il y en a une essentielle qui réside dans le fait que les familles se trouvent face à ce que Semilanovsky appelle les frontières de l'invisible. C'est-à-dire des frontières au-delà duquel ils ne peuvent pas aller. On prend la zone que nous connaissons tous à Toulouse, Bagatelle, Mirail, etc. Les populations ont beaucoup de mal à aller au-delà de cette zone-là, parce qu'au-delà, nous ne savons pas ce qu'il va y avoir. Et il y a une certaine forme de peur à aller s'engager, à venir à la médiathèque, à venir dans les bibliothèques, à venir dans des endroits où même les entrées sont gratuites, parce que c'est quelque chose qui est difficile pour eux d'avoir accès à ces structures-là. Il y a ça, puis ensuite il y a aussi le capital scolaire, culturel, des familles qui ne connaissent pas forcément ces lieux-là et qui ne connaissent pas aussi l'intérêt que ça peut avoir pour les enfants. Donc à nous aussi de leur montrer ce que ces espaces-là peuvent leur apporter à eux, ils peuvent leur apporter dans les interactions avec les enfants. Et puis on sait aussi que les aires de jeu, les parcs, les loisirs, et les équipements culturels et sportifs sont beaucoup plus sont insuffisants dans de nombreux quartiers. Et c'est d'autant plus dommageable que quand on parle de jeunes enfants, la dimension ludique, la dimension du jeu, ça n'est pas du tout anodin. Elle est au même titre que le langage. Je vais encore faire référence à Wallon et Malrieu, parce que le jeu, le langage, c'était des éléments extrêmement importants pour eux, parce que le jeu, c'est un lieu de construction, c'est un lieu de construction identitaire, c'est un lieu d'apprentissage, c'est un lieu de relation à l'autre et à autrui. Et quand on ne peut pas laisser des enfants jouer librement, quand on peut pas, quand les enfants n'ont pas les jouets adaptés à leur âge, bien évidemment, cette dimension ludique peut être aussi préjudiciable à leur développement. Alors, pour laisser un peu de place au débat, je vais résumer deux éléments qui sont encore très importants. Un que j'ai appelé le petit théâtre des relations sociales, c'est-à-dire la crèche. La crèche, c'est un lieu magique en France. On a des crèches de qualité depuis 30 ans. Il n'y a rien à redire à ça, même si on voit bien que il y a un serrage de vis aussi pour les professionnels de crèche qui doivent beaucoup lutter pour garder les normes de qualité que nous avons. C'est une des structures qui n'existe pas outre-Atlantique, ou qui existe dans des structures privées. Et donc, en fait, ce que nous montrent les recherches qui ont été menées dans ces pays-là, c'est de montrer que les structures d'accueil de la petite enfance, elles ont vraiment une importance particulière, non pas pour être substitutives aux possibles défaillances parentales, mais pour être suppléantes. C'est-à-dire amener, par exemple, de la tranquillité pour les familles, pour qu'elles puissent aller chercher du boulot tranquillement, ce qui n'est pas toujours le cas, malgré ce qu'a demandé la Caisse nationale de l'éducation familiale, où normalement il devait y avoir 10% d'enfants en situation de pauvreté qui devaient être accueillis dans les crèches. Cet objectif n'est absolument pas atteint. Donc on a ces crèches qui pourraient jouer un rôle de dynamique relationnelle sociale, de dynamique au niveau des activités ludiques et de dynamique pour que les parents puissent un peu se reposer et être plus tranquilles en tant que parents et en tant qu'hommes et femmes. Et puis on a le grand théâtre des relations sociales, l'école. J'y reviendrai sans doute tout à l'heure. Les données sont inquiétantes. Je n'ai pas pris tous les journaux que l'on peut trouver, mais la France décroche. Tous les ans, hein, nous les avons. Éducation, la France décroche. Le Monde, Libé, l'école de l'inégalité. Bref, tous les ans, on a notre lot des inégalités scolaires. Ce qui avance dans les recherches, c'est qu'avant on parlait des collèges, on parlait des lycées. Maintenant, on comprend que les inégalités, elles commencent dès l'école maternelle et que c'est à ce moment-là qu'il faudrait être le plus attentif. Les résultats baissent et ils baissent dès l'école maternelle. Ils se creusent ensuite au cours du primaire et ils se creusent ensuite, bien évidemment, au niveau du collège et au niveau du lycée. Juste pour information, les disparités qui débutent dès le CP, elles s'aggravent au collège, puisque 25% des enfants sont en retard en 6e dans la population non pauvre, 45% pour les enfants en situation de pauvreté et 12% pour les enfants les plus favorisés. Donc vous voyez que toutes les sphères, elles peuvent être affectées, donc le sujet lui-même, c'est-à-dire l'enfant, la famille avec le couple parental et le couple conjugal, les normes qui sont liées à la santé, les normes qui sont liées au logement, les normes qui sont liées à notre macro-système économique, système culturel, système politique. Alors on pourrait dire, comment vont-ils nos enfants? Malgré tout. Malgré tout, certains sujets s'en sortent bien, tant mieux. Mais il faut aussi avoir dans la tête que certains se construisent dans cette souffrance, ils se construisent dans la douleur, ils peuvent se construire aussi dans le traumatisme, et que pour certains enfants, la période de l'enfance, elle est jalonnée de barrières à dépasser, de défis à relever, d'épreuves à surmonter, et qui sont autant d'obstacles à leur devenir si nous n'y sommes pas suffisamment attentifs. Alors Rémi parlait tout à l'heure des structures préventives, c'est vrai que j'y suis particulièrement attachée, certainement par rapport à ma propre histoire familiale. Et je dois dire qu'effectivement, le fait que la France soit un des pays qui mettent le moins d'argent dans les structures préventives, quand je parle de structures préventives, je parle de la protection maternelle et infantile, et je parle bien sûr aussi de la médecine scolaire et de bien d'autres structures qui pourraient être là pour nous aider à être réellement dans la prévention. Alors Jacques Delors, il nous disait à cette époque, il faut faire de la prévention sociale. C'est un terme qui n'existe pas en France, c'est un terme qui existe dans les pays anglo-saxons. La science de la prévention, c'est une discipline qui existe dans certains pays, qui n'existe pas en France. Et Jacques Delors nous disait, les réponses resteront inadaptées tant qu'elles ne prendront chaque domaine de vie que de façon isolée. Emploi, santé, logement, éducation, mode de garde. L'ensemble forme un tout et tous les domaines d'existence sont forcément interdépendants. Les réponses à adopter en matière de prévention exigent, entre autres, cohésion, cohérence et complémentarité. Les réponses efficientes, efficaces, demandent des mises en réseau pluridisciplinaires et des approches multidisciplinaires. Alors, c'est évident que des choses sont faites du côté de l'emploi, des choses sont faites du côté de la santé, des choses sont faites du côté du logement, etc. D'abord, on peut faire mieux, ça c'est une certitude. Et ensuite, il faut avoir en tête, et c'est ce que les Québécois arrivent à faire, contrairement à nous, c'est-à-dire qu'ils ont des politiques qui sont multi-cibles et multi-stratégies. Si on doit se préoccuper d'un enfant, il faut essayer de voir son environnement. Comment vont ses parents ? Où habite-t-il ? Comment vit-il ? Est-ce qu'il mange bien ? Est-ce qu'il a suffisamment d'heures de sommeil, etc. Alors que nous sommes davantage dans des situations où nous focalisons les soins ou nos politiques sur un seul domaine. Et je crois que cette phrase de Delors, elle est vraiment, qu'on avait dite à l'époque dans l'ouvrage, elle est à prendre en considération parce qu'elle reste toujours aussi marginale malgré tout ce que peuvent faire les associations, malgré tout ce que peuvent faire l'ensemble des professionnels. Et puis pour ne pas finir quand même sur une note trop pessimiste, je dirais quand même qu'il ne faut pas oublier que la famille, ça peut être un sac à dos très très lourd, c'est sûr, mais en même temps dans un sac à dos on a toujours des choses qui vont nous secourir, on a notre paquet de Kleenex, on a notre bouteille d'eau, et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'espace social, c'est un espace social qui, même s'il est mis à mal, il peut être aussi un étayage, un support pour que l'enfant se développe au mieux, et il faut mettre sans doute l'accent non pas sur ce que les familles ne savent pas faire, sur leur incompétence, sur leur manque de performance, puisque ce sont quand même des termes que l'on emploie de plus en plus dans les travaux, hein, performance parentale. Au lieu de mettre l'accent sur ces incapacités, je crois qu'il est quand même temps de penser et de modifier non seulement nos représentations, mais surtout nos modes d'agir pour repérer qu'il y a des compétences, qu'il y a des habiletés pour créer de la dynamique de vie et pour générer en fait de la pulsion de vie, parce que les enfants, tout jeunes, très petits, ils disposent d'un espace de création, mais il faut les contenir, il faut les soutenir, il faut les comprendre pour que, comme le disait un jeune, pour qu'ils puissent fréquenter leur avenir. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Finalement, en t'écoutant, il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. C'est d'une simplicité et c'est fait d'évidence. Alors je me disais, mais finalement, on sait tout ça, mais on ne le met jamais ensemble. Hein, c'est-à-dire que l'unité psychosomatique, par exemple, d'un enfant, hein, le corps et le psychisme, pourquoi mettre d'un côté le corps, de l'autre côté le psychisme? C'est un tout. L'enfant est un tout aussi dans une structure familiale, quelle qu'elle soit, et dans une société, et dans des groupes et des institutions. Donc, qu'est-ce qui fait que nous continuons, depuis la découverte de la pauvreté en 1980, les premiers travaux en France, hein, 1980, à faire comme si de rien n'était? Alors, je pense, moi, personnellement, que le problème, avant tout, c'est de changer nos mentalités. Alors, moi, je vois, je parle en tant que... Je suis pédopsychiatre, je suis psychanalyste, et confronté à des familles en situation de pauvreté, ça m'a obligé. Ça m'a obligé à quitter ma formation pédopsychiatrique, à passer au social. Alors tu dis fort justement, il n'y a pas de chaire de psychiatrie sociale en France, il n'y en a qu'une à Marseille. Or, dans les pays anglo-saxons, le social fait partie de la pédopsychiatrie et de la psychiatrie adulte, c'est-à-dire qu'il y a une interaction, hein, obligatoire entre le mental et le social. Donc ça oblige à prendre un ensemble de paramètres dans des consultations. Alors je vais vous dire moi très, très simplement comment je fais. Consultation, j'ai un moyen mnémotechnique que j'appelle les 6 S. S. Alors c'est sujet, soin, sens, social, et puis deux choses adjacentes qui sont la souffrance, S, et le sexuel. Voilà, avec ça, je me débrouille assez bien pour repérer un ensemble. Un ensemble. Mais je crois que... alors, je crois qu'on va y arriver quand même d'une certaine façon. D'abord parce qu'avec la mondialisation, on va être confronté au fait qu'on va être confronté à d'autres types de travaux, ce que tu nous amènes du Québec, hein, où il y a quand même beaucoup de Français qui vont y travailler, il y a des échanges avec le Québec. Et je crois qu'on va être obligé finalement de repenser un certain nombre de données qui... et en même temps, me semble-t-il, il y a des courants. Alors peut-être le seul reproche que je ferais à ton livre, tu as parlé de Castel, mais moi j'aurais aimé que tu parles, que tu abordes, que tu mettes en place certains propos philosophiques, témoins de l'époque, de notre époque, et qui sont facteurs de changement, me semble-t-il, de mentalité. Entre autres, bon, il y a Bourdieu, c'est vrai, hein, Bourdieu, il y a Lévinas, ça, Lévinas, hein, tu en as parlé, et Lévinas, c'est quand même 1980. C'est lui qui a commencé à parler de la vulnérabilité, 1980-1982. Et puis pour moi, il y a, qui m'aide beaucoup dans ma pratique, c'est Edgar Morin. C'est-à-dire qu'en t'écoutant, je retrouvais la complexité que propose Edgar Morin, hein, je retrouvais la paradoxalité qu'il propose et que tu mets dans ton livre. Hein, tu parles de paradoxe. Hein, paradoxalité... et réflexivité, c'est-à-dire quelque chose qui est le regard qu'on a sur l'autre et l'autre en soi, et là, le contexte, hein, la contextualisation qui est... Je crois qu'on ne peut pas prendre un individu et regarder un individu et essayer de le comprendre si on ne tient pas compte du contexte. Hein, et BECO, c'est contexte. Hein. Alors BECO, tu veux que je te parle de BECO? Oui, oui. Alors BECO, c'est un programme de recherche interdisciplinaire que je coordonne, qui a été mis en place depuis l'an dernier, et ça veut dire bébé, petit enfant sans contexte. Et voilà, donc c'est un programme de recherche dans lequel il y a 10 unités de recherche de l'UT1, UT2, UT3 qui travaillent conjointement pour essayer de mieux comprendre à la fois les facteurs de vulnérabilité et les facteurs de protection, comme on dit, pour améliorer la qualité de vie de l'enfant et pour... essayer de mieux comprendre un enfant dans ses différents, disons, différents contextes. Alors quand tu abordes l'enfant en situation de pauvreté, vous avez Julia Kristeva qui aborde l'enfant en situation de handicap. Hein, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a certaines formes de pensée qui se rejoignent. Hein, on est très loin. L'enfant en situation de pauvreté, l'enfant en situation de handicap, c'est une autre façon de penser les choses. Et je crois que c'est ça que nous avons, le travail que nous avons à faire dans la formation, hein, au niveau universitaire, mais aussi dans la clinique. Hein. Quand je pense que dans un CMP, on peut s'occuper d'une famille en mettant un enfant en psychothérapie une fois par semaine, alors que la famille est en surendettement et qu'il y a un père vaguement incestueux, je crois que c'est de l'anti-soin. Hein? Donc le problème, c'est comment on peut prendre en compte un ensemble de paramètres. C'est ce que dit Edgar Morin. On prend un ensemble de paramètres et puis on voit quel est le paramètre qui va être la cible sur laquelle on va pouvoir fonctionner un temps, quitte à le remettre en question dans un deuxième temps. Bon, ça, la deuxième chose que je voulais dire, c'est... alors c'est difficile de parler en tant que pédopsychiatre, parce que tu as bien fait attention de dire que l'enfant en situation de pauvreté, il ne fallait pas non plus le psychologiser, il ne fallait pas non plus le médicaliser, ni le psychiatriser, hein, et que donc ça c'est une tâche difficile. Tâche difficile, donc j'ai pris beaucoup de précautions pour essayer de ne pas tomber dans certains travers que nous avons bien souvent, qui est une façon d'exclure, hein, puisque nous sommes toujours prêts à exclure ce qui nous gêne et à exclure ce qui nous dérange. Alors je voudrais revenir simplement sur la question de l'attachement. Question de l'attachement, finalement, un bébé, même à terme, est prématuré. Donc il ne survit que grâce aux soins de l'environnement. Donc, la façon de survivre grâce aux soins de l'environnement montre bien que c'est la matrice du lien social, déjà à la naissance. Et qu'à partir de là, on n'est jamais achevé. On n'en finit pas de se construire et on a toujours besoin de l'autre pour se construire. Ce qui explique qu'il n'y a pas de pur sujet, il n'y a qu'un sujet en rapport avec d'autres, avec autrui, avec des groupes et avec des institutions. Donc la question de l'environnement est prégnante dès la naissance, et même, tu le dis dans ton livre, avant la naissance. Hein, donc ça suppose la prévention au niveau de la grossesse, au niveau de l'adolescence, au niveau de la grossesse, tout de suite après l'accouchement, etc., etc. Donc le problème de l'attachement est un problème majeur pour se construire. Alors tu insistes beaucoup, toi, sur les liens. Plus il y a des croisements de liens, plus l'enfant a des chances de s'en sortir. Hein, que ce soit par rapport au père, mère, frère, sœur, environnement, le voisinage, etc. Alors moi, je mettrais un petit bémol parce que je crois que... Alors c'est très tendance actuellement, hein, ça comme théorisation, hein, c'est tout théorisation comportementaliste. Hein. J'adhère, moi, sur l'enseignement rigoureux que la clinique nous apporte. Ça, je suis tout à fait d'accord. Par contre, après, je mettrai quand même certains bémols. Vous avez un film actuellement qui est sorti, qui s'appelle Moonlight, qui est un film remarquable, qui est un film, hein, qui épouse tout à fait les théories développées par Chantal. C'est-à-dire, on voit un gosse différent naître dans un milieu, dans un quartier défavorisé, avec une mère toxico qui rencontre un dealer qui le protège, et on voit en trois phases, cet enfant devient adolescent et devient adulte, et on le retrouve adulte, toujours dans le même quartier, dealer à son tour, heureux de l'être, hein, et c'est-à-dire que ce qui est bien montré dans ce film, c'est la façon dont l'environnement fait tout. Mais alors je crois que ça serait peut-être un excès de penser que l'environnement fait tout. Et qu'il y a quelque chose peut-être qui manque, alors c'est mon côté psy là qui revient, c'est le côté sexuel. Hein, tu as parlé de douleur, on n'a pas parlé de sexuel. Or je pense que plus on a des familles en situation de pauvreté, plus il y a une pauvreté de la sexualité. Et donc aussi une façon d'aider, c'est aussi de réactiver des potentialités sexuelles chez ces individus et dans ces populations, hein, pour leur permettre justement d'avoir quelque chose qui est de l'ordre du désir. Et on sait très bien que le sexuel, c'est aussi quelque chose qui va favoriser à structurer les sentiments d'apparentement au monde et le sentiment d'apparentement à soi et d'adhésion à la vie. Alors, c'est là où moi j'aurais aimé peut-être que tu nous dises un peu de sexuel, là, tu vois. Bon, j'avais mis de la pulsion de vie. Oui, mais la pulsion de vie, c'est pas le sexuel. La force de vie, c'est une chose, mais je crois que le sexuel, ces populations de précaires méritent le sexuel, au même titre que nous. Et il se présente le plus souvent de par la nécessité de la survie sur uniquement des problématiques identitaires. Quand on est en camp de concentration, on ne pense pas au sexuel. Il faut survivre. Hein? Et des populations en situation de pauvreté, comme tu le disais, il faut d'abord bouffer. Hein? Or, le problème, c'est comment que nous ne perdions pas de vue cette question, me semble-t-il, du sexuel, sans faire... Parce que sinon, on aboutit à des mimétismes, comme dans le film Moonlight, où le gamin devient dealer comme la personne avec qui il a eu des liens. Et pas des Donc c'est du mimétisme et pas des identifications, où on prend quelque chose de l'autre qui nous va bien, mais on laisse aussi autre chose qui ne nous va pas bien, et on fuit sa vie soi-même. Voilà. Alors, je vais essayer de répondre à quelques-unes, à quelques-uns de tes commentaires. Alors, le premier sur Morin, j'avais, au moment du livre sur le livre blanc de la résidence alternée, utilisé dans le sous-titre que nous avions fait avec Gérard Nérand, « Penser la complexité ». Et le livre sur la précarité étant édité aux mêmes éditions Érès, il me semblait difficile de mettre un sous-titre sur « Penser la complexité », mais en même temps, je suis entièrement d'accord avec toi et je ne sais pas s'il y a des étudiants que j'ai eu cet après-midi en cours où on travaillait sur la question de l'accueil familial, hein, sur une question d'ailleurs que tu as beaucoup travaillé et que tu travailles encore sur ces enfants qui sont déplacés d'une famille, à une autre. Et c'est un terme que j'ai employé en leur disant ne restez pas sur une approche réductrice des faits et cherchez à penser la complexité. Non seulement à penser la complexité pour vous-même, mais à plusieurs. Parce que je crois que quand on est à plusieurs, on pense encore plus la complexité. Ça, c'est la première chose. Par rapport à Lévinas, si tu le veux bien, je vais me permettre, en fin d'intervention, de lire un texte que j'ai écrit ce week-end à Monsieur le Président François Hollande et à messieurs les candidats à la présidence de la République française. Je n'ai pas dit madame, d'ailleurs. La candidate, parce que je n'en ai aucune envie. Et donc, je parlerai certainement de Lévinas tout à l'heure. Par rapport à la question de l'environnement, à aucun moment, je ne me place en situation de dire que l'environnement va jouer le seul rôle vis-à-vis de l'enfant. Je dis un développement, et d'ailleurs, Wallon le disait avant moi, bien mieux que moi d'ailleurs, Wallon et Malrieu nous disaient « Le développement de l'enfant ne peut se comprendre que si l'on étudie, que l'on analyse les conditions de vie dans lesquelles il évolue. » Ça ne veut pas dire que l'environnement va être déterministe et déterminé sur le développement de l'enfant. Par rapport à Bourdieu, alors là aussi je vais faire une réponse dans la lettre adressée aux futurs candidats. Je crois qu'on a quelque chose qui est de l'aspect d'un bagage, qu'on a les uns et les autres, un bagage génétique, un bagage... et que malgré... Et là, je vais à l'encontre de ce que pouvaient nous dire ces grands psychologues de l'enfant qui étaient Wallon et Malrieu, et en particulier Malrieu, pour qui tout était choix et conquête, pour qui la vie d'un enfant, d'un ado, d'un adulte était faite de choix, de conquête, de conflits. Et je pense, à contrario, qu'il y a malgré tout un bagage que nous devons porter, avec lequel nous devons faire. Et c'est peut-être quelque chose, un élément que Wallon et Malrieu mettaient un petit peu de côté. Et je pense que malgré tout, on doit faire avec ce bagage dont parlait Bourdieu, avec l'habitus, les normes, etc. Et tout ce que la famille véhiculait. Tu vois, comme j'essaye de ne pas arriver au sexuel, quand même, malgré tout. Alors, la question du sexuel, je l'ai abordée sur la question du logement. Je pense que c'est quelque chose qui est effectivement important. J'ai en tête une famille que nous avions entretenue lors de la recherche que nous avions faite à Toulouse sur les familles en situation de pauvreté. Et c'était une famille qui était en fait un petit peu en marge au niveau de l'échantillon. Excusez-moi, le terme c'est échantillon, c'est pas très joli, mais en termes de recherche, ça s'appelle comme ça, en termes de la population. Normalement, nous prenions des familles qui n'avaient pas de logement propre, puisque le fait d'être propriétaire d'un logement, c'est déjà un critère particulier par rapport aux conditions de pauvreté et de précarité. Et nous l'avions quand même inclus dans notre population, bien qu'ils avaient leur caravane était leur propre priorité, mais on avait estimé que la caravane étant effectivement quand même relativement petite, l'espace était exigu. Et c'est vrai que c'était d'abord une famille qui allait parfaitement bien, c'est la première chose à dire, mais une famille qui nous a beaucoup interpellés parce que c'était donc une petite caravane avec deux petits espaces, un espace par an avec le couchage parental, et puis l'espace enfant, c'était l'espace enfant, l'espace loisir, l'espace pour manger, l'espace pour faire les devoirs, etc. Et donc, quand ils avaient fini de manger, de faire les devoirs, bien, les tables étaient rentrées et ça devenait le lit pour les enfants. Donc la seule cloison qui existait était cette cloison mince entre les parents et les enfants. Et c'est vrai que la question de la sexualité parentale, quand on est dans une exiguïté de logement, elle pose question par rapport à l'intime parental et par rapport à l'intime de chaque enfant. Alors je sais que je ne réponds pas du tout à ta question par rapport à l'impulsion du sexuel, mais c'est vrai que c'est une dimension qui est à prendre en considération. Et c'est vrai que quand je parle de cette pulsion de vie, je pense que quand même il y a Eros derrière. La pulsion de vie, elle est là aussi pour ces familles, pour lutter contre ces pulsions de mort. Et je crois que là, Eros est là pour lutter contre Thanatos. Donc je vais te répondre comme ça par rapport aux pulsions sexuelles. Il y a peut-être des questions, un peu comme l'heure avance. Moi, je suis préoccupé par la question de l'environnement est prégnante pour moi. Hein, à partir des travaux de Winnicott sur la mer-environnement, il y a les travaux d'Harold Searle sur l'environnement humain, l'environnement non humain, et puis on voit très bien que l'enfant, pour grandir, il est obligé à la fois de fusionner avec l'environnement et de se défaire en partie de l'environnement. Mais l'environnement reste toujours quelque chose d'important. Et actuellement, avec tous les travaux que tu connais, que tu as cités d'ailleurs, sur l'épigénèse, on se rend compte qu'on va très loin maintenant sur la question de l'environnement, puisqu'il y a des travaux qui disent que l'environnement peut modifier la génétique. Hein? Donc il y a des choses comme ça qui sont des ouvertures de pensée, il faut être prudent, mais qui nous font repenser quand même. Là aussi, changer de mentalité. Il faut changer de mentalité. La question, par exemple, abordée par la psychanalyse, sur la question du sujet. Bon, elle est importante, elle demeure pour moi donc quelque chose de base, mais je dirais il faut la nuancer, il faut l'ouvrir, de par aussi les nouvelles organisations psychopathologiques qu'il y a actuellement. Parce que moi, ce que je vois de mon côté, tu décris l'attachement, hein, comment on peut travailler de façon préventive à mettre des enfants en sécurité, sécure, pour qu'ils puissent se développer le mieux possible. Moi, la population des enfants que je vois, ce sont des enfants qui ont des troubles de l'attachement. Les troubles de l'attachement, alors je rappelle, c'est pas être malade un trouble d'attachement. Hein, c'est quelqu'un qui est mal foutu parce qu'il a mal organisé, il s'est mal organisé petit, de par les désastres précoces, des interactions précoces, et il grandit tant bien que mal, avec souvent des troubles du comportement, des troubles cognitifs, etc. Mais ce n'est pas un enfant malade, ni névrotique, ni psychotique. Donc ça pose une question aussi, comment s'occuper des enfants qui ont des troubles de l'attachement sans les psychiatriser, mais comment on peut les aider, et ça suppose à ce moment-là d'avoir une clinique très ouverte sur un ensemble de données sociologiques, culturelles, les plus diverses. Donc ça suppose aussi que dans la formation des pédopsychiatres, comme dans la formation des psychologues, comme dans la formation des éducateurs, il y ait aussi actuellement une façon d'une ouverture d'esprit. Ça ne veut pas dire qu'il faut quitter la psychanalyse. La psychanalyse est une pensée comme une autre. Hein, c'est une pensée pour moi importante, mais pas fondamentale non plus. Et donc l'important, c'est comment on peut, en changeant de siècle, en changeant de mentalité, avec les nouvelles technologies, ne serait-ce que les nouvelles technologies, qui nous font repenser la question du temps et de l'espace. Hein, comment les enfants vont grandir maintenant avec des modifications aussi profondes de la question du temps et de l'espace à travers les SMS, à travers Skype, etc., etc. Donc je dirais qu'on est en position d'humilité, me semble-t-il. Et je voudrais dire une dernière chose. L'accueil de familles en situation de pauvreté, le terme qui ne me vient pas dans d'autres consultations, c'est la question du respect. Il y a quelque chose comme ça qui nous entraîne profondément sur les racines de l'humain et de l'humanité. Dans les S que tu as évoqué tout à l'heure, est-ce qu'il y avait le S du subjectif? Alors, je pense à ça parce que quand on parle de pauvreté, en fait, au départ, c'était vraiment la pauvreté monétaire. C'était vraiment étudié en termes de ressources. À l'heure actuelle, on parle de pauvreté subjective. Je m'explique, on peut avoir une famille qui a toujours vécu dans des situations de pauvreté, se sentir tout à fait à l'aise par rapport aux conditions de vie, si tentée que le minimum vital soit acquis. Et on voit des familles, et on le voit d'ailleurs maintenant avec la flexibilité au niveau du travail et les reconversions professionnelles, des familles qui vivaient avec un niveau de vie aisé et qui se retrouvent avec une détresse propre, une détresse parentale et une détresse qu'ils vont amener sur le devant de la scène au niveau de la famille, parce que tout d'un coup leurs revenus ne sont plus équivalents à ce qu'ils avaient avant. Donc la pauvreté, elle doit aussi être comprise dans cette dimension subjective et pas simplement dans une dimension monétaire. En Australie, ils avaient fait un essai, à savoir de donner plus de subsides aux familles pauvres, et en fait ils se sont aperçus que de donner de l'argent, ça pouvait être nécessaire, mais ça n'était pas suffisant et ça n'améliore pas le fonctionnement familial en tant que tel, en ne mettant que des subsides sur la table. Donc il y a vraiment quand même cet élément important. On a parlé tout à l'heure d'effectivement cette notion qui nous vient de capacité, qui effectivement non plus que l'État offre sans cesse des structures, des dénominations comme le RSA, etc., aux populations. Mais ce qui est important de comprendre, c'est comment les familles, maintenant, vont choisir, vont faire des choix parmi l'offre qui leur est proposée pour pouvoir être maîtres de leur propre vie. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui est de plus en plus important et qui est d'ailleurs vraiment dit par les écologistes, non, par les économistes, qui se réfèrent à une économie particulière. Personne n'a envie de prendre la parole. C'est dommage. Pour nous. Bonjour, c'est moi. En fait, je suis assistante sociale à l'hôpital des enfants et je voulais, enfin, c'est pas du tout pour vous contredire tout ça, mais j'entends beaucoup que voilà, la santé, il faut vraiment qu'il y ait un lien avec l'environnement, mais justement l'assistante sociale est là pour ça. Et on trouve donc une assistante sociale en pédopsie, enfin partout dans tous les services de la psychiatrie, même en post-urgence psychiatrique, dans les CMP, partout. Et même tout à l'heure, quand vous disiez que des fois, il y a des suivis, par exemple, la personne ne peut pas, c'est de l'anti-soin quand il y a un dossier de surendettement qui monopolise le suivi, mais l'assistante sociale est là pour ça. Et justement, la base de notre formation, c'est la prise en charge de l'individu dans sa globalité. Voilà, c'était juste pour faire un peu valoriser notre métier, parce que justement, c'est complètement en complémentarité avec tout ce que vous dites. Oui, moi, ce que je disais, c'était pas pour dévaloriser votre métier, puisque je travaille beaucoup avec les assistantes sociales et en pluridisciplinarité. Non, ce que je voulais dire simplement, c'est qu'une indication de soins psychiques, quand il n'y a pas les conditions requises pour le soin psychique, c'est donner de l'espoir à un enfant, mais en même temps, c'est de l'anti-soin. Voilà ce que je voulais dire. C'est-à-dire que peut-être il y a un... ce que dit Edgar Morin, c'est-à-dire que quels sont les paramètres qui sont d'abord, que l'on doit d'abord travailler pour qu'il puisse y avoir une certaine organisation familiale la moins souffrante possible avant de s'attaquer à un problème particulier dans l'enfant. C'est-à-dire c'est le mettre dans une situation de grave difficulté. Et je crois que nous devons travailler en collaboration les uns avec les autres, en véritable travail d'équipe et non pas chacun dans son coin, dans souvent un cloisonnement qui n'est pas forcément une bonne chose. C'est pas partout pareil, mais c'est un des dangers. Hein. Donc je pense que la pluridisciplinarité, l'interdisciplinarité me semble importante et l'ouverture aussi à d'autres... un travail de synthèse, ça peut se faire aussi avec une famille d'accueil, ça peut se faire aussi avec une auxiliaire de vie, ça peut se faire aussi avec d'autres professionnels que les professionnels habituels qu'on trouve en équipe. C'est-à-dire avoir un esprit d'ouverture, chacun peut avoir droit à la parole et pouvoir bâtir ensemble et aider une famille à trouver sa voie. C'est ça que je voulais dire. C'était pas une critique. Ah non, non, pas du tout, je l'ai pas du tout pris, mais justement, comme on intervient en complémentarité, c'est vraiment, enfin, c'est hyper pertinent que justement on travaille tous ensemble. Enfin, c'est notre quotidien à tous, surtout les AS, les assistantes sociales à l'hôpital. C'est vraiment exactement tout ce que vous avez décrit. Mais la complémentarité, alors il faut aussi savoir, complémentaire, est-ce qu'on partage des infos ou on fait un travail de liaison psychique, c'est-à-dire d'élaboration ensemble. C'est-à-dire le problème d'avoir tous l'info, c'est une chose, c'est déjà pas mal, hein, mais je crois qu'il faut aller beaucoup plus loin, hein, c'est-à-dire un travail d'élaboration psychique à plusieurs, c'est-à-dire ça demande du temps, ça demande des revendications aussi des personnels par rapport aux directions pour avoir du temps de synthèse, pour avoir du temps où on puisse travailler sans forcément être toujours derrière un ordinateur, des choses de ce genre, hein, pour pouvoir faire une véritable élaboration psychique au service. Je ne peux qu'être d'accord avec ce qui vient d'être dit. Et quand je parlais tout à l'heure de l'asphyxie des structures préventives en France, que ce soit les PMI, la médecine scolaire, les CMPP, bien évidemment, c'est tous les professionnels qui travaillent au sein de ces structures qui sont asphyxiées, qui sont effectivement dans ce lien, dans cette continuité psychique, dans cette continuité de soins en anté, père et post-natal, et ensuite toutes les années à venir. Et donc, bien évidemment, je veux dire, les assistants sociaux et les assistantes sociales ont bien évidemment toute leur place quand on parle de ces situations-là. C'est leur asphyxie qui est délicate. Et comment le management peut s'adapter à notre clinique, et non pas notre clinique s'adapter au management. Alors moi, je ne vais pas vous répondre en termes de thérapie. Je vais répondre encore sur ce que j'ai évoqué tout à l'heure par rapport à ce que disait Delors. Être uniquement sur un des axes, c'est-à-dire travailler par exemple uniquement sur le symptôme de l'enfant ou sa souffrance, sans sans savoir dans quel milieu de vie il est, dans quel logement il vit, comment vont son père, sa mère voir les grands-parents, etc. Je crois qu'on est souvent dans une impasse quand on travaille de cette manière-là. Après, en termes de, comment dire, de thérapie elle-même, pour connaître un petit peu la façon dont les Québécois travaillent, ce n'est pas la façon de travailler que nous avons en France. Vous le savez sans doute comme moi, leur ancrage psychanalytique n'a rien à voir avec le nôtre. Leur ancrage institutionnel et la pratique institutionnelle, la pratique clinique institutionnelle n'a rien à voir avec la nôtre. Et je pense que cet ancrage-là que nous avons dans les institutions, bien qu'elle est en train de se dégrader quelque peu, c'est un ancrage qui est absolument important à garder en France pour soutenir et accompagner les enfants, qu'ils soient en situation de pauvreté, qu'ils soient exposés aux violences conjugales, qu'ils soient nés prématurés ou handicapés. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui est important à garder dans notre pays, cet ancrage théorique qui est le nôtre et qui n'est pas forcément un ancrage, on va dire, plus comportementaliste, plus neurosciences, que développent nos collègues québécois ou anglo-saxons. Et je ferai juste un petit lien par rapport à ce qu'a évoqué tout à l'heure Rémi. C'est vrai que les neurosciences ont le vent en poupe, beaucoup. Je pense qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y a des choses qui sont importantes, qui nous sont dites par les résultats issus de ces recherches. Par exemple, il a été montré, alors je ne sais pas si on peut dire démontrer, mais en tout cas montrer qu'un bébé, dans le ventre, un fœtus dans le ventre de sa mère, s'il recevait des coups de la part du conjoint, se retrouvait dans des problématiques au niveau de la méthylation. Pourquoi? Parce que la mère avait elle-même subi un choc, un stress, qui avait entraîné une augmentation du cortisol, etc., et qui avait entraîné des problèmes neurologiques du côté de l'enfant. Ça, ce sont effectivement des éléments qu'on ne peut pas mettre de côté. La question de l'épigenèse, c'est quelque chose qui me semble être importante, de dire un gène va se modifier en fonction de l'environnement et son expression va être différente en fonction de cet environnement. Ça ne veut pas dire que l'on doit promulguer les neurosciences et les sciences cognitivo-comportementales comme étant les sciences qui vont être à même, ou les thérapies les plus à même de répondre à une souffrance de l'enfant. En tout cas, c'est ma position. Après, je ne connais pas celle de Rémi. Un des vecteurs parmi d'autres. Oui. Il va y avoir un thérapeute, il peut y avoir un thérapeute, il peut y avoir un éducateur, il peut y avoir une maîtresse d'école, il peut y avoir d'autres partenaires qui gravitent autour de l'enfant. Pas seulement une assistante sociale. Ça repose la question d'être ensemble aussi. Hein, ça repose la question de la communauté, hein, du voisinage. En quoi l'autre nous intéresse, en quoi l'autre nous interpelle. Et puis en même temps, je dirais que ça nous force un peu les questions évoquées ce soir là. Ça nous force à penser qu'un enfant, pour se construire, a besoin de se sentir vivant, réel, d'être reconnu, d'être compris. Et ça, c'est un préalable à être aimé ou haï, si vous voulez. Or, bien souvent, on va directement à aimer les enfants ou à haïr les enfants. Donc il y a des préalables comme ça. Et ces populations, moi, m'ont apporté ces questions de préalables et m'aident beaucoup dans la clinique quotidienne avec d'autres enfants qui ne sont pas forcément en situation de pauvreté. Dans la mesure où ces enfants et ces familles nous apprennent. Hein, on est dans quelque chose qui n'est pas, on n'est pas là pour apprendre ou pour comprendre, mais on est là aussi pour apprendre nous-mêmes de ces populations. Je vous avoue que moi, depuis des années où je m'occupe beaucoup d'adolescents en situation de précarité, ça a influé beaucoup sur ma façon de consulter, ma façon de traiter des enfants, des adolescents, des adultes, et ça m'a beaucoup aidé aussi à repenser ma façon de vivre aussi. Et je crois que, c'est un intérêt un peu égoïste que je vous dis là, mais je crois que ces populations méritent respect, mais méritent aussi toute notre attention et d'éviter ces situations de clivage ou d'exclusion qu'on retrouve constamment. constamment. Tout à l'heure, dans la rue, en venant, en remontant l'allée là, il y avait quelqu'un qui faisait la manche et qui était, bon, il avait peut-être 18 ans, comme il avait 15 ans, comme il avait 9 ans, je ne sais pas trop. Et alors, je me suis surpris à ne pas le regarder. Ça, vous voyez, c'est pas bien. C'est pas bien. Et je m'en suis aperçu après. Donc, c'est des conduites, je dirais, habituelles, comme ça. Pourtant, je fais gaffe habituellement. Mais il y a quelque chose en nous qui est toujours en difficulté pour supporter l'autre, l'autre différent de nous, et l'autre dans des situations qui nous font honte ou qui nous donnent certains sentiments de honte. Bonsoir. Déjà, ça me fait beaucoup écho ce que vous venez de dire, parce que moi aussi, c'est des situations que j'ai vécues il n'y a pas longtemps, là, dans ma voiture, effectivement, des personnes. Et je dis toujours bonjour, parce qu'ils disent bonjour, en général, je dis toujours bonjour. Et puis hier, ben, je n'ai pas dit bonjour, j'ai tourné la tête. Et c'est vrai que ça m'a aussi interpellée, donc merci aussi d'en parler. Moi, je voulais revenir sur cette notion de capabilité, c'est ça, dont vous avez parlé. Est-ce que vous faites référence, c'est la même notion que l'empowerment de Paolo Frère, ou pas du tout? C'est pas... Et juste pour continuer là-dessus, vous avez parlé d'économie écologique. Est-ce que par rapport à ça, justement, vous avez... Vous connaissez, vous pouvez nous donner des pistes, parce que ça m'intéresse énormément. Non, la capacité, en fait, c'est un terme qui a été mis en avant par des économistes pour contrer le terme de capacité. C'est-à-dire qu'on disait toujours les personnes qui sont en situation de vulnérabilité, de précarité, etc., ont-elles les capacités pour? Et donc, en fait, ça voulait dire qu'on mettait le sujet en place de trouver la solution face à son problème. La capacité, c'est vraiment un terme d'économistes, hein, c'est un terme qui est en fait anglo-saxon, permettait de mettre l'accent sur le choix du sujet et ce que le sujet va faire par rapport à ce que l'État... où les États vont lui offrir. Ça, c'est la première chose, donc sur la capacité. Et l'empowerment, une question de choix. Vraiment, c'est le choix qui choisit par rapport à la demande qui lui est faite. Alors, l'empowerment, c'est une notion qui est très délicate, en fait, qui nous vient du Québec et qu'on retrouve de plus en plus dans la littérature. Et en fait, je ne suis pas certaine qu'elle nous fasse du bien, ou qu'elle fasse du bien au sujet. Parce que c'est comme si le sujet devait toujours trouver en soi les capacités pour rebondir. C'est comme si le sujet devait trouver lui-même sans arrêt les ressources pour se développer. Et c'est une façon aussi de dire que l'État n'a plus à se préoccuper de ce que les populations en situation de précarité vivent. Et donc en ce moment, il y a pas mal de travaux qui sont en train d'avoir une approche critique de l'empowerment à cause de cette notion-là qui fait que l'État, le social, se désengage du sujet. L'empowerment, c'est j'ai la maîtrise... je l'avais étudié avec Paulo Freire, qui était, il me semble, un sociologue au Brésil. Et c'était vraiment redonner, effectivement, de la capacité à agir, mais par le social, hein, pas uniquement par l'individu. Tout à fait. Le problème, c'est qu'on ne prend que la deuxième proposition de l'empowerment, c'est-à-dire la capacité du sujet à être maître de sa vie et de ses conduites. En mettant l'accent uniquement sur la deuxième partie, alors que normalement l'empowerment met l'accent sur la réciprocité entre le social et l'individu, on écarte le social et on demande au sujet d'être seulement maître de sa vie. Et ça permet aux instances étatiques de se retrancher derrière l'empowerment. La caricature, c'est de dire à quelqu'un tu manques de volonté, tu dois pouvoir y arriver. Et hein, c'est-à-dire, à ce moment-là, de faire que ce n'est que la personne en elle qui peut trouver, toute seule, une façon de s'en sortir. On ne peut pas s'en sortir tout seul dans la vie. Hein, depuis le début de notre vie, hein, depuis les soins de l'environnement, depuis la détresse de notre naissance, on a besoin de l'autre. Hein. Donc le problème, c'est de ne pas s'appuyer toujours et systématiquement sur l'autre, mais il faut s'appuyer sur l'autre pour pouvoir trouver sa propre voie. Sinon, c'est pas possible. Alors ça, c'est des choses simples, si vous voulez, mais qui des fois, même en famille, il y avait les enfants. On dit, tu vas pouvoir y arriver, il n'y a pas de raison, etc. Non. Tu vas pouvoir y arriver parce que je suis là aussi. Bonjour, je suis assistante sociale, donc je suis là. Donc d'abord, les constats que vous faites, on fait à notre niveau, sur le terrain, beaucoup de constats similaires. Hein, notamment, j'ai vraiment apprécié la frontière invisible, puisque donc, je suis en maison de solidarité au conseil départemental avec la PMI. Et voilà, enfin, on essaie de mener des actions pour accompagner les familles vers des structures qui ne sont pas gratuites, mais on a fait le constat qu'ils n'y allaient pas, qu'ils ne les fréquentaient pas, et que c'était donc autre chose que la question financière qui posait problème. Voilà. Ensuite, on fait le constat. Alors, quand vous parlez d'environnement, moi, c'est quelque chose qui fait écho, puisque nous sommes désectorisés. Ça veut dire qu'on n'intervient plus sur un quartier, mais sur l'ensemble du territoire. Alors, parfois divisé en sous-territoires et parfois sur l'ensemble d'un territoire. Donc notre territoire étant de plus en plus grand, on le connaît de moins en moins, on est absorbé par des tâches administratives et informatiques, on ne fait quasiment plus de visite à domicile. Or, voilà, pour moi, la visite à domicile, quand vous parlez d'environnement, de l'enfant, moi j'ai besoin, pour situer, comprendre le problème d'une famille, de le mettre dans une maison, dans un quartier, de voir si, effectivement, s'il ne peut pas faire des démarches, c'est parce que c'est loin, géographiquement ou loin dans sa tête, parce qu'il y a des frontières invisibles, comme vous disiez. Donc, je suis vraiment très intéressée par tout ce que vous avez soulevé, et puis comment faire pour que donc, vos travaux arrivent jusqu'au pouvoir public pour modifier. C'est-à-dire on a des politiques qui ne sont pas courageux. Et parce qu'il faut un véritable courage pour pouvoir mettre en place une politique de prévention, parce que ça ne rapporte pas sur le moment. Hein, donc il y a quelque chose là qui est... Hein, alors que d'autres pays l'ont fait, même en Europe. Hein. Alors ce que vous dites aussi est très important, c'est... je pense par exemple, à un moment donné, je travaillais un peu sur Empalo, et le fait de pouvoir... De mettre des gosses à un collège pour les sortir d'Empalo sur un collège en ville, c'était pas possible. Ils étaient angoissés quand c'était pas possible de se retrouver dans un milieu qu'ils jugeaient hostile, à tort ou à raison. Hein, en tout cas, c'était extrêmement difficile de les désenclaver, de les désincarcérer. Hein, ou alors, il fallait qu'ils partent à plusieurs. Hein, c'est ce qu'on trouve le samedi place du Capitole. Ils sont 10, à ce moment-là, c'est possible. On peut descendre du Mirail à 10, mais seul, non. Donc, et une autre chose de visite à domicile, je suis tout à fait d'accord avec vous. Moi, j'ai beaucoup appris d'une maman où, à domicile, il y avait un bordel. J'ai jamais vu ça. Il y avait une vaisselle de 15 jours. Il y avait 2 télévisions qui marchaient à fond, le bébé au milieu et la maman qui était tranquille dans ce désordre. Le désordre, c'était sa vie. Donc, tant qu'on n'a pas pris conscience que le désordre, c'était sa vie, et à partir de là, on peut commencer à travailler avec quelqu'un. Mais tant qu'on n'a pas vécu cette chose-là, et la gêne et les émotions qu'on a pu avoir dans une visite à domicile, je crois qu'on ne peut pas travailler. C'est pas un travail forcément que de bureau. Peut-être juste un élément par rapport à ce que vous évoquez sur les... Par rapport aux frontières de l'invisible, Seminalowski, elle donne une autre expression qui nous permet aussi de mieux comprendre certaines situations. Elle parle de la territorialité de repli. Et ça, c'est vraiment effectivement quelque chose qui est important et que je suppose que vous avez pu être confronté à cette question-là, de cette territorialité de repli, parce que effectivement, au-delà, on ne peut pas aller, on ne veut pas aller, parce qu'au-delà, on n'est plus dans un monde sécurisant. Et ce repli-là, cette territorialité de repli, c'est en fait un contenant sécurisant que l'on connaît, dans lequel on a les habitudes, où on a des habitudes de vie, etc., mais au-delà duquel nous ne pouvons pas aller. Ce que nous, d'ailleurs, nous faisons aussi d'une autre manière quand nous-mêmes, nous n'allons pas dans les quartiers ou quand nous-mêmes, nous sommes dans une territorialité de repli quand on va dans un pays étranger, par exemple. Dernière question. Oui, vous n'avez pas parlé du... Vous m'entendez, là? Oui. Vous n'avez pas parlé du concept de Cyrulnik de résilience et je me demandais quel rapport il peut y avoir avec l'autre terme que tu employais tout à l'heure. Parce que, bon, moi, dans ma clinique, j'ai quand même vu des enfants qui vivaient la précarité et dont j'étais étonnée de voir les capacités de s'en sortir malgré tout, malgré la précarité vécue au quotidien. Quand je vous entendais, je pensais à une adolescente qui, un jour, est arrivée en me disant « il n'y a plus rien à manger à la maison ». Bon, c'est vrai que faire une psychothérapie à quelqu'un qui n'a plus rien à manger à la maison, ça ne va pas, quoi. Moi, je n'ai pas tenu le coup, j'ai craqué, je lui ai donné un billet à la fin de la séance, ce qu'on ne doit jamais faire en tant que psy, parce que je lui ai dit, bah, tu achèteras des pâtes, quoi. C'est pas supportable non plus. Bon, la précarité, c'était ça pour elle, mais ce n'était pas que ça, c'était aussi qu'elle me racontait que le soir, sa mère lui disait... bon, mais tu t'en vas parce que je reçois des hommes. Alors, elle se retrouvait dans la rue, la nuit, etc. Au bout d'un moment, c'était plus possible. Enfin, il y avait la sexualité, il y avait tout, quoi. Et je pensais à cette adolescente qui m'a beaucoup appris aussi. Et comment on fait, comment on peut travailler avec une jeune fille qui, malgré tout, s'en sort pas si mal et qui, que je trouvais très résiliente par rapport à tout ce qu'elle vivait, finalement. Autant dans le matériel que dans, dans le social, finalement, par rapport à cette mère débordée et envahie de problèmes, quoi. Voilà. Donc, merci. C'est un peu un message, enfin, un peu une idée d'espoir, parce que je pense que quand même, cette capacité de résilience qu'on constate chez ces enfants et adolescents qui ont vécu des choses terribles, c'est beau aussi, quoi. Voilà. Merci pour cette remarque. Je n'ai pas parlé de résilience, peut-être de façon consciente. J'en ai parlé cet après-midi parce que de plus en plus on parle de termes d'adversité. Dans l'adversité, celle qui est un terme anglo-saxon d'ailleurs, on parle de vulnérabilité, de traumatisme, de stress et de résilience. Je crois que votre remarque, elle est importante parce qu'elle fait écho à ce que j'ai dit d'entrée de jeu, à savoir, ce ne sont que des moyennes dont je parle, les travaux de recherche, on travaille sur des moyennes, c'est un modèle probabiliste et non pas un modèle déterministe. Donc à aucun moment on peut dire telle situation de pauvreté va entraîner ça, on dit telle situation de pauvreté entraînera la probabilité que... Donc c'est absolument différent. Donc, ça veut dire qu'effectivement des enfants qui mettent à profit des conduites résilientes, il y en a beaucoup. Tous les enfants qui vivent en situation de précarité ou de pauvreté, certains enfants peuvent se développer de façon tout à fait satisfaisante, mais je souhaitais mettre l'accent davantage parce que ça n'est pas suffisamment dit. J'ai souhaité mettre davantage dans l'ouvrage avec mes collègues le fait que la probabilité d'avoir un développement affectif, cognitif, maturationnel, etc., était plus de probabilité d'être affecté que dans des conditions de vie favorisées. Mais bien évidemment, je suis d'accord avec vous. Mais parce que la résilience amène à d'autres questions. On peut être résilient parce que... on a perdu son papa ou sa maman parce que on a eu des séparations précoces. Donc ça, c'est dans un champ où l'enfant en situation de pauvreté peut présenter une résilience, mais comme le disait Chantal, Chantal s'est située dans une autre dynamique. Et la résilience, on peut le retrouver dans des tas d'autres situations. Donc ce n'est pas un paramètre spécifique, hein, à ces populations. Hein. Mais ça peut être aussi une façon pour ces populations de survivre, hein, puisque la question, hein, c'est aussi de survivre. Mais je crois que ce monsieur, hein, nous conseille fortement d'arrêter. Je ne peux pas vous lire ma lettre au président. Je peux ? Bon, alors je vais essayer de... J'ai une élocution rapide, hein. Je peux faire ça rapidement. Alors, bon, le titre, c'est « On ne naît pas tous égaux en droit en matière de santé ». Monsieur le Président et messieurs les candidats à la présidence de la République française, le nombre d'enfants en situation de pauvreté n'a pas fléchi depuis 10 ans. Selon la Fédération nationale Solidarité Femmes en France, en 2014, 4 millions d'enfants seraient concernés par les violences conjugales. Les plus touchés sont les jeunes enfants de moins de 5 ans. Le nombre d'enfants tués lors des violences conjugales est pour la première fois notifié dans les médias en 2015, soit 33 décès d'enfants, sans compter les nouveau-nés prématurés et les décès in utero non comptabilisés. L'accueil au sein des structures de la petite enfance ne permet pas aux jeunes enfants de bénéficier d'une équité républicaine. En 2014, l'objectif d'accueil des enfants de moins de 3 ans en structure collective de 10% d'enfants pauvres n'est pas atteint. Aucune avancée notable n'est perceptible en termes de réussite scolaire depuis ces 10 dernières années. Les écarts de réussite scolaire s'installent dès l'école primaire. Les phénomènes de maltraitance et de négligence atteignent en 2015 plus de 98 000 cas connus d'enfants en danger, c'est-à-dire 10% de plus qu'il y a 10 ans. Parmi eux, 19 000 sont victimes de maltraitance, 78 000 se trouvent dans des situations à risque, 44% des enfants maltraités ont moins de 6 ans et 600 à 700 décès sont imputables à de mauvais traitements infligés par les parents. Les conditions de vie inacceptables des enfants réfugiés, traumatisés, déracinés, parfois orphelins, entravent gravement leurs perspectives de développement. Au-delà de ces données chiffrées, toutes les études démontrent qu'une atteinte précoce de la santé des petits, qu'elle soit physique ou psychique, altère profondément le devenir et l'avenir de l'enfant. Les effets des adversités au cours de la petite enfance entraînent des conséquences à long terme, bien au-delà de cette période, et se poursuivent inexorablement tout au long de la vie, période scolaire puis insertion professionnelle future, si aucune action n'est menée pour les interrompre ou les amoindrir. Pourquoi, Monsieur le Président, la santé physique, psychique, affective n'est toujours-elle pas explicitement définie comme un des objectifs politiques majeurs dans notre système sociétal? Parce que vous n'avez toujours pas compris que l'enfance est une période sensible, voire critique, au cours de laquelle peuvent se dérouler le meilleur et le pire. Le meilleur et non le pire est ce que nous devons offrir au fœtus dans le giron maternel, au nouveau-né, au bébé qui deviendra grand ensuite. Je ne peux concevoir que les politiques en soient si peu avertis. Sans vous faire l'outrage de vous conseiller la relecture de la CIDE, de Convention internationale des droits de l'enfant de 1989, dans son texte intégral, permettez-moi d'affirmer que dans notre pays dit terre d'asile, de droit et de liberté, les droits de l'enfant sont sans cesse bafoués sur le territoire national au vu de ce qu'énonce l'article 24 de la CIDE. Lévinas, 1982, nous dit « Dès lors qu'autrui me regarde, j'en suis responsable sans même avoir à prendre en compte la responsabilité à son égard. Sa responsabilité m'incombe. » C'est une responsabilité qui va au-delà de ce que je fais. Ne vous sentez-vous aucune responsabilité envers ce petit de l'homme quand il vous regarde, sans logement digne, sans vêtements adéquats, sans nourriture saine, sans soins appropriés? Faut-il encore rappeler les données chiffrées relayées parfois par les médias, celles qui nous indiquent la pauvreté dans laquelle vivent les enfants, les souffrances qu'ils subissent dans le milieu familial quand il est en profonde détresse, celles qui rappellent les décès in utero et celles qui les ignorent, les souffrances fœtales, les malformations, les handicaps suite à des prématurités dues au contexte socio-économique des mères et des familles. Nous le savons, Monsieur le Président, plus les effets délétères sont décelés et infléchis précocement, plus le développement de l'enfant pourra ensuite se dérouler de façon satisfaisante. Cette responsabilité, Monsieur le Président, elle vous incombe. La responsabilité de niveler les inégalités sociales de santé qui perdurent en France. Alors, pourquoi, Monsieur le Président, notre pays s'acharne-t-il à détruire le potentiel des structures qui œuvrent dans une visée préventive en rognant les subsides de l'État et en mettant en difficulté, voire en souffrance et en péril, les acteurs de terrain confrontés à des situations de plus en plus dramatiques, de plus en plus diversifiées? Pourquoi, Monsieur le Président, la France tarde-t-elle à instaurer une discipline telle que les sciences de la prévention? Pourquoi, Monsieur le Président, les disparités territoriales continuent à faire perdurer les inégalités sociales de santé dans la prime enfance? Un enfant sur deux grandit dans un contexte de pauvreté dans la région PACA. Quel avenir lui offrez-vous? Faudrait-il développer dans un jargon néolibéral très prisé à l'heure actuelle les économies que notre pays pourrait faire si les objectifs politiques étaient clairement dessinés, non pas pour un mandat présidentiel, non pas pour des pansements ponctuels, mais dans une visée à long terme inscrite dans la durée pour que les stratégies adoptées soient rentables. Piètre mot que celui de la rentabilité, mais n'est-il pas devenu le maître mot des politiciens d'aujourd'hui? Alors faisons le nôtre, un instant. Oui, ce serait rentable de soutenir les femmes, les familles dans le besoin au cours de la grossesse pour qu'elle se déroule au mieux, pour que la naissance de l'enfant ne soit pas considérée comme une tragédie, mais comme un merveilleux bonheur, pour que la relation du bébé avec ses parents se déroule harmonieusement. Que gagnerait-on à porter une attention particulière en antépère postnatale précoce? Un meilleur développement socio-affectif, une construction cognitive adéquate, une meilleure adaptation sociale, une meilleure acquisition au niveau du langage, dont on sait toute l'importance ensuite quand l'enfant est accueilli dans le système scolaire. Dans cette éventualité favorable, moins de soins physiques et psychiques à venir, moins de situations d'urgence, moins de détresse institutionnelle, moins d'encombrement des CMPP, non pas au bord de l'asphyxie, mais déjà asphyxiés, moins de violence et maltraitance. Imaginez les économies que l'État pourrait faire si tenté que les systèmes préventifs soient inscrits dans la durée. Je ne suis pas économiste pour apporter de façon précise ce que l'État gagnerait, mais le bon sens, parfois, suffit à estimer que le gain serait colossal. On ne choisit pas la famille dans laquelle on est, ni le lieu de naissance, ni le capital économique, scolaire et culturel de nos parents. Et même si je crois profondément à une socialisation active de la part du sujet, les trajectoires de vie ne peuvent se résumer à des conquêtes et des choix. Certains événements de vie nous déterminent malgré tout et très tôt dans notre vie. Le bébé ne choisit pas d'être un enfant de l'exil, ne choisit pas de naître dans le chaos de la guerre et des armes, de naître en zone rurale ou urbaine, d'être choyé ou orphelin, de côtoyer le grand monde. Il n'a aussi aucune prise sur son bagage génétique de base, ni sur l'environnement qui peut le modifier. Pour autant, l'on sait qu'à chaque facteur de risque peut correspondre un facteur de protection si la volonté politique et citoyenne se fait nôtre, vôtre, et nous, vous engage dans la responsabilité que nous avons envers tout enfant qui naît et qui doit grandir dans un environnement sécurisant et stimulant afin de lui assurer une qualité de vie satisfaisante. L'enfant à naître, puis le nourrisson, mérite toute notre attention. Une attention sensible, citoyenne, politique, une attention particulière pour qu'ils puissent vivre égaux, en droit, et le droit à la santé physique et psychique en fait partie. Faire attention à ces êtres en devenir, y être attentif et attentionné, devrait être un axe central du programme que vous défendez. Cette centration conduirait à lutter précocement contre les inégalités sociales de santé, socialement et économiquement construites, et d'amener autant que faire se peut une égalité des chances aux nourrissons et enfants, et une réduction des conséquences néfastes pour son devenir. Nos collègues québécois affirme qu'il est maintenant clair, d'après de nombreuses études longitudinales, que les enfants exposés en bas âge et de manière chronique à des formes d'adversité comme la pauvreté familiale, les pratiques parentales inadéquates et la maltraitance, dont l'exposition aux violences conjugales, risquent davantage d'éprouver des difficultés ultérieures au cours de leur vie. Ces difficultés couvrent des problèmes émotionnels, comportementaux, interpersonnels, scolaires ou de gestion du stress, tout autant que des difficultés plus importantes telles que des troubles mentaux. Savez-vous que les cohortes pluridisciplinaires ont été initiées au Royaume-Uni depuis plus de 60 ans, dès 1946, suivies par celles de 58 et de 70, complétées encore par la récente Millennium Cohort Study en 2001, que les cohortes québécoises ont débuté dans les années 90, et les nôtres? Comment grandissent-ils nos enfants dans notre pays? Avant la mise en place de la cohorte ELF, étude longitudinale française depuis l'enfance, aucune étude à grande échelle n'avait été menée. Il a fallu attendre 2006 pour qu'un groupement d'intérêt scientifique ELF se constitue et que le recueil des données auprès d'environ 18 000 enfants nés en 2011 débute après l'étude pilote menée en 2007. Bref, ça fait à peine 5 ans que l'on semble enfin se préoccuper des trajectoires de vie dès la petite enfance et une interro. Nous nous devons, vous vous devez, de permettre aux plus jeunes un avenir meilleur, même si les contextes socio-économico-culturels ne leur sont pas en début favorables. Il ne s'agirait donc pas d'une promesse de campagne électorale, mais de poser un acte pour les citoyens qu'ils sont, pour la valeur de la personne humaine qu'ils portent, dans la dignité et dans l'égalité, dans un climat de bonheur, d'amour et de compréhension, comme le dit la Convention internationale des droits de l'enfant. Je vous avais prévenu qu'elle était engagée. Hein. Alors écoutez, je crois que maintenant il ne vous reste plus qu'à acheter le livre. Hein. Et en même temps, la lettre paraîtra certainement, si elle nous l'autorise, dans un numéro d'Empan à venir. Voilà, bonne soirée et merci pour votre attention.